Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty World War 2. Comme promis, c'est la troisième et dernière vidéo opening consacrée à cet événement de la résistance. On arrive à la fin de l'événement. Je suis accompagné du coup de Grand Ref qui ne sera pas en vocal, mais qui regardera cet énorme opening, car effectivement aujourd'hui je vais vous proposer le plus gros opening de ma chaîne sur World War 2. 161 colis au total, c'est tout simplement insane, et comme vous pouvez le voir il reste exactement 1 jour 19h 54 minutes et 16 secondes, donc on arrive vraiment voilà à la fin de l'événement. C'est, on va dire, effectivement ma dernière chance pour remplir les petites collections, surtout que depuis la dernière vidéo opening, c'est con ça parce que j'avais fait la vidéo opening juste avant qu'ils fassent des ajouts, bah ils ont rajouté des nouvelles collections, même si je le pressentais parce qu'à la base il n'y avait pas beaucoup de collections, bah ils en ont rajouté le double je crois, oui je crois à peu près le double. Donc on a une nouvelle arme avec le Reich Revolver et le Enfield numéro 2 également, mais ça j'avais déjà parlé dans de précédentes vidéos. Donc on a ces deux armes qu'on débloquera, c'est sûr, vu le nombre de crédits d'armurerie que j'en ai actuellement 38 000, donc ce sera pas un souci de toute façon, hein. Et puis voilà, on essaiera d'obtenir également d'autres collections, de les compléter, pourquoi pas, ce serait plutôt sympathique. Donc en termes de colis, je vais vous montrer ce qu'il y a à ouvrir, les 161 colis. 42 du coup, ravitaillement standard, 6 ravitaillements rares, 5 caisses de largage ravitaillement standard zombie. Donc 4 caisses de ravitaillement zombie rare cette fois-ci, 99 ravitaillements de résistance. C'est dommage, hein, j'aurais pu faire 100, mais bah, il n'y avait plus le temps là. Hein. Donc voilà, 99 caisses de la résistance, c'est énorme. 3 pots de vin de la résistance qu'on a déjà depuis le début de l'événement. Une petite caisse épique également, ainsi qu'un pot de vin uniforme de la résistance épique. Waouh, c'est, si on n'a pas des trucs aujourd'hui, moi je comprends plus rien, il y a tellement de ravitaillements, il y avait tellement de trucs, surtout qu'on a eu voilà toutes les nouvelles collections à côté, que il faut forcément qu'on ait quelque chose. Vas-y, Grand Rêve va ouvrir ses petits colis avant que je commence de mon côté. Oh, en plus il ouvre ses pots de vin, il ouvre ses pots de vin. Oh, oh, il a obtenu la Volkstern Gewehr. Oh my god, il a obtenu la Volkstern. Oh, j'espère que j'aurai autant de chance que lui. Oh putain, il a obtenu la Volkstern Gewehr. Surtout que plus tôt dans la journée, il avait obtenu la variante héroïque du couteau de combat. Et là, il a obtenu du coup la variante épique de la Volkstern Gewehr. Bah, il doit être content. J'espère avoir autant de chance que lui. Il a ouvert que 3 colis, là, j'en ouvre 161. Mais il y aura un problème. Oh, il veut des pastos. Ok, bon, c'est notre tour. Commençons par les ravitaillements standard, c'est parti. On va essayer quand même de speeder parce que là, il y a tellement de ravitaillements à ouvrir que... Faut pas non plus y aller mollo-mollo, tu vois. Hein. Sinon on n'est pas rendu, hein. On n'est clairement pas rendu. Surtout qu'on va débloquer à la fin de vidéo du coup le Reich Revolver et le Enfield numéro 2, les autres collections, tout ça, tout ça. Il y a de quoi faire. Double épique. Dommage. Bon, la tenue rouge elle est plutôt stylée par contre, hein. Mais dommage, dommage, dommage. Mais je retiens la tenue rouge. Double épique, c'est déjà bien. Combien d'héroïques pour cet opening? Combien de nouvelles variantes dans cet opening? C'est la question, mais j'espère qu'on aura vraiment des nouveaux trucs, surtout au niveau de la résistance, parce que 99 colis, c'est pas rien. Et les 3 pots de vin en plus à côté. Bon, pour l'instant, rien d'extravagant. La tenue est peut-être sympa, mais c'est pas ça qui va changer la donne. Hein. Ta ta ta. Surtout bon, là, de base, oui, j'ai 38 000 crédits d'armurerie, mais bon, après avoir ouvert les 161 ravitaillements, j'ose pas imaginer à combien je crée de crédits. Hein. D'ailleurs, je crois que j'avais vu ça sur Twitter, il y a quelqu'un qui avait fait un calcul. Ouh, ah bah non, je l'ai déjà, merde. Et je crois que c'est 44 000 crédits qu'il nous faut pour débloquer les deux variantes, des deux nouveaux revolvers. Si tu veux débloquer tout simplement les deux revolvers, c'est 44 000 crédits. Donc autant dire, là, c'est bon de toute façon. Hein. Mais voilà, je crois que c'est ça du coup. Hein. Après, j'aimerais bien débloquer d'autres collections également à côté, mais ça va être chaud. Hein. C'est pour ça qu'il faudra aller remplir un peu au préalable. Bon, rien à signaler pour l'instant, pas de nouvelles variantes. Je pensais pas que tu vois j'avais le Springfield en épique, mais si finalement je l'avais déjà. Donc ça c'est dommage. On aurait pu avoir une nouvelle variante dès le début, ça aurait quand même bien lancé la donne. Hein. Mais non, ça s'est pas passé comme ça. On va se doublon comme d'habitude. Hein. De toute façon, voilà, surtout sur la caisse de la résistance, on va taper les trucs parce que c'est là où on a du nouveau contenu hein, depuis la dernière fois. Sinon on n'a rien d'autre. Il y a un truc aussi que je veux trop avoir, je ne l'ai pas montré, vous verrez plus tard du coup, si je l'obtiens ou pas d'ailleurs. C'est un chapeau. C'est un Fedova, je crois que ça s'appelle. Donc un chapeau ultra classe, un peu d'homme d'affaires. Mais c'est un chapeau héroïque. Donc tu vois, si lui je le chope, même si c'est héroïque, je serais très content parce qu'il est ultra stylé ce chapeau.
Mais bon, faudra l'obtenir quoi, hein. Ça ce sera pas évident je pense. Ce sera du coup dans les trucs de la résistance, hein, à préciser. On va peut-être passer d'ailleurs niveau supérieur de grade sociale là, hein. Oh oui, sûrement, 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 hein, parce qu'il reste pas grand chose pour passer niveau 14. Putain, pour l'instant il y a rien, hein. C'est le néant, mais c'est les raids tellement standard, on va pas trop en demander, mais ce serait bien quand même de commencer les hostilités, tu vois. Le premier héroïque, tu vas voir, le premier héroïque, de toute façon, encore une fois, et comme d'habitude, ce sera une tenue. Ou un doublon, tout simplement. Parce que je pense pas que ce sera quelque chose d'insane, j'y crois peu. Pour l'instant, waouh, mais c'est vide, y a rien. Y a que du standard, du commun, comme on l'appelle sur ce jeu. Ouais, Grand Ref, il va encore rigoler après, hein. Oh là 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 là. La dernière fois que j'avais fait un opening avec lui, il avait assisté, c'était pas tip top, si je me rappelle bien, j'avais pas obtenu des super trucs. Il va encore peut-être me porter la poisse, hein, qui sait. Parce que en tout cas, non, pour l'instant, il n'y a rien. Non, non, non. Nouvelle carte de visite, là, quand même, tire dans la tête. Pas mal de trucs divers, ouais. Qu'est-ce que j'aimerais avoir des putains de variantes héroïques, là. Oh là 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 là, ce serait tellement bien, mais... ils veulent même pas me donner des pics. Je touche pas d'héroïque, du coup, donc ouais, c'est compliqué, hein. Ah là, mais là c'est le vide, hein. Je sais pas combien on a ouvert déjà de items en standard, mais rien du tout, c'est affolant. Non mais ce sera pas ça tout l'opening j'espère, parce que sinon les 161 colis ils vont passer à la trappe là, à la cheminée, hein. Au feu, hein, y'a plus rien dans le bûcher, hein. Et sachant que quand même c'est impressionnant, mais vous vous rendez compte, j'ai réussi quand même à obtenir ces 161 colis en 2 semaines quoi, hein. Je pensais pas en obtenir autant, mais j'ai vraiment farmé les contrats, tout, j'ai fait tous les contrats, tous les ordres qu'il y avait. En gros, je pense que je pouvais pas obtenir plus de raitement que j'en avais là, hein. Mais j'ai vraiment, mais... J'ai tryhard des colis, c'est ça qu'il faut dire, j'ai tryhard des colis. Parce que quand même... Mais ça montre à quel point sur ce jeu tu peux obtenir des colis ultra facilement, parce qu'obtenir autant de colis en seulement 2 semaines... Ouais, c'est impressionnant. Peut-être la première variante. Ah, l'endimanché sur la barre. Par contre, c'est un peu buggé, elles prennent du temps à s'afficher. Je ne l'avais pas, bon, vous savez, j'ai déjà l'endimanché 2, mais l'endimanché 1, je n'avais pas sur la barre. Donc, c'est bien, ça fait une variante supplémentaire, même si elle ne sert strictement à rien, vu que j'ai la version supérieure. Ça s'ajoute quand même à la collection, je dis pas non. Première variante de l'opening. Première, il était temps, elle a pris du temps. Hein. Par contre, combien de colis va falloir ouvrir pour obtenir le premier héroïque? Allez, le premier héroïque... Nous avons retiré les héroïques du jeu. Vous ne pouvez donc pas en obtenir. Ah mince alors. Non mais pour l'instant oui, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Hein. Ils ont un peu retiré les héroïques là. Hein. Absolument rien. C'est fou, pas d'héroïques. Des poignées à gogo. Des doublons surtout à gogo. On est déjà 41 000 crédits d'armure, ça avance vite. Ciseaux, non, j'ai déjà. Hein. Comme à peu près toutes les provoques du jeu. Oh là là, ça veut pas. Pour l'instant, on ouvre le dernier. Ouais, voilà. Pour l'instant, c'est nul. Pour l'instant, honnêtement, ça aurait été tellement standard. C'était la grosse douille. C'était la grosse douille. C'était la nullité absolue. Bon, bah bilan médiocre hein, pour ça aurait été tellement standard. C'est pas fini. Maintenant, on passe. Par contre, j'en ai que 6. Hein, il aurait été tellement rare. Mais on passe au rare. Allez. Si il aurait été tellement rare, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose, ça? Je suis pas sûr. Hein. Ah, ça commence quand même avec un épique. Oui! Ah non, je l'ai déjà. Le petit oui, tu sais, mais non, je l'ai déjà. Bah, dommage. Ça fait déjà deuxième variante. Oh putain! Non! Putain! Je vous l'avais dit, première, forcément que la première héroïque que j'ai obtenue, c'était une tenue. Elle a pas l'air moche, celle-là. Suba. Ah, en plus, c'est pour infanterie. Mais ah, dommage, putain, quand tu vois un héroïque divers, tu te dis variante de la GPMG, variante de la Sten, je sais pas. Bon, la GPMG, je l'ai déjà, donc ça aurait été la douille, mais je sais pas, variante de la Sten, de la Gewehr. Eh non, putain, il me donne une tenue. Aïe, 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 ça c'est à chaque fois les douilles, hein. Moi, je les collectionne en ce moment, les tenues héroïques, hein. Par contre, les variantes d'armes, ça me pue. On y croit, il y a encore largement, il y a encore plus de 100 colis, tout va bien, hein, faut pas s'affoler. Tout peut se retourner en un fragment de seconde, mais c'est un peu chaud là quand même, hein, en l'état des lieux. C'est un peu chaud. Ok. Bon, c'était quand même mieux, hein. Force est de constater que c'était largement mieux, il aurait été rare, mais c'est pas encore ça. Il aurait fallu en avoir plus, quoi. Hein. Alors bon, caisse zombie. Oui, on va passer aux caisses zombies. Allez, tu viens de poser, hop.
Les petites caisses zombies, on espère avoir du coup des petites auto-réanimations. Ce serait quand même vachement cool. Allez, auto-réanimation. Allez, allez, allez. Bah non, plusieurs chaque base du cas, la totale en termes d'explosifs. Oh, te moque pas là. Un coup de respect, monsieur. Allez, allez, allez. Yes. Auto-réanimation, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Deux auto-réanimations supplémentaires. Oh, un petit épique. Non, je l'ai déjà. Bah oui, non, je l'ai déjà. J'allais encore m'esclaffer, mais non, non. C'était dans le dernier opening d'ailleurs, je crois qu'on avait obtenu la rideau de fer sur la PSH. Oh putain! Yes! Yes! Putain, yes! J'ai pas vu si c'était le fusil à canon scié ou le M30, mais yes! Ah, du coup, c'est dommage, on n'a pas le temps de voir. C'est la première fois que j'arrive à obtenir une variante héroïque comme ça sur dans un ravitaillement zombie et standard en plus. Première variante héroïque et sur un pompe, ça fait plaisir. Ça fait ultra plaisir parce que bon, j'ai déjà le KM au diamant, donc ouais, ça va rendre bien ça. Je crois que c'est sur le M30, mais je suis pas sûr. J'ai vraiment pas eu le temps de voir si c'était le M30 ou le fusil à canon scié. De toute façon, on importe les deux. Ça change à rien. Hein. De toute façon, l'un des deux, c'est parfait. C'est parfait. Yes, je suis content. Fait toujours plaisir d'avoir une nouvelle variante héroïque là, comme ça, quand on s'y attend pas. Alors, on a les caisses zombies rares. Du coup, j'ai même pas vu si j'avais eu des auto-réanimations. Zombies, non, tu t'y attends pas. Non, la tenue que j'ai déjà en plus. Yes, encore une petite auto-réanimation supplémentaire. Oh, encore un épique. Eh, ça commence à venir. Yes! Oh, là. Je crois que c'est la mini-variante, ça, du Commonwealth, la loyale. Oui, je crois que c'est une petite variante, comme la carousel. Cool! Allez, on enchaîne les variantes, là. Oh, il y a un bon feeling, là. Il y a un bon feeling. Dommage, du coup, que c'est dans les caisses zombies. On n'a pas le temps de les voir, mais yes! Et encore une charge. Putain, mais les caisses zombies, elles sont impressionnantes, là, aujourd'hui, hein. Je sais pas. Y a que des super trucs. Encore auto-réanimation. Bah putain, les caisses zombies, c'était du lourd. Qu'elles soient standard ou rares, c'était du lourd. Alors, on va ouvrir direct le pot de vin épique. Non, on va pas ouvrir directement le pot de vin épique. On va le garder, hein. On va le garder au chaud. On va ouvrir les ravitaillements de la résistance. Allez, c'est parti. 99 ravitaillements de résistance, c'est du lourd, là. Ouh, on commence avec de l'hiver, déjà. Ok, bien, 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 la petite tenue, bien, bien, bien. C'est la tenue blindée, ok, pourquoi pas. Allez, là, on est confiant, on est optimiste. De toute façon, là, on a quand même vachement, vachement de nouveaux items, hein, de la résistance, donc il y a moyen de choper des bons trucs, normalement, en tout cas, hein. Vu ce qu'ils ont rajouté, et vu que j'ai pas ouvert de ravitaillement depuis les nouveaux contenus, là, avec les revolvers et tout, donc oui, il y a de quoi, normalement, obtenir des bonnes choses, des bonnes nouvelles choses. Pour l'instant, non, mais ça va venir. Oh, j'avais jamais vu cet emblème, tir sur cible. Ça peut être pas mal, tiens, il est pas moche, hein. Oh, ah, je l'avais déjà, le herbivore. Ok. Je m'en souvenais pas, je m'en souvenais pas. Bon, rien d'extravagant pour l'instant, rien de choquant, pas d'héroïque qui pourrait me choquer. Un épique. Oh, putain, le double XP. Enfin, le double XP. C'est même pas du double XP, c'est du 25% d'XP, je crois, hein, si je me souviens bien. Bon. Caisse de résistance, caisse de résistance, offrez-moi de bonnes choses, s'il vous plaît. Putain, il est fou, grand ref, en fond, hein. Je sais pas ce qu'il fait avec tous ces gestes-là, mais... Il est possédé, je vous le dis. Il est possédé. Il donne des bastos aux gens derrière, j'ai tout vu, j'ai tout vu. Ah, on a l'emblème tortue, il est stylé, lui. J'aime bien, il est drôle. Ok, petit emblème tortue. Sinon, rien pour l'instant de spécial, hein. Les fameuses petites crosses, hein. Il y en a sûrement des nouvelles, j'ai pas vu, mais c'est presque sûr, donc forcément on va s'en taper, hein, des petites crosses. Pas étonnant. Ok, nouvel emblème, je l'avais pas celui-ci. Ah, truc d'hiver. Celui-là, ouais, je l'avais, du coup, ce casque. Nouvel emblème, baïonnette. Ah, petite épique. Allez, est-ce qu'on a une variante? Ah non, curieux. Oh, je l'avais pas, cette carte de visite. Eh bah c'est curieux, justement c'est curieux. Ah bah non, je pensais l'avoir. Encore un autre épique. Ah, je l'avais déjà, la vigilance sur la 1951. Ok, bon bah tant pis, ça fait une variante doublon supplémentaire, hein, malheureusement. Bon là c'est full doublon. Rien pour l'instant à noter, on va dire, de particulier là-dedans. C'est dommage, mais rien de particulier. Oui, oh, regarde l'heure là, le grand ref, hein, il est pressé. Ouais, mais non. Ouais, mais. Oh, j'ai jamais eu cet emblème, ça va. On dit thème zombie comme ça, cimetière. Oh, pas mal. J'avais jamais vu non plus. Hein. Bah, y a tellement d'emblèmes, donc. Faut pas tous t'en souvenir.
Putain, je viens de regarder, on est à 45 000 crédits d'armure, j'en ai jamais eu autant, je crois. Hein. Là, c'est quand même plutôt énorme, même si bon, ça va. Après, ça va descendre d'un coup. Avant qu'on puisse obtenir des trucs pour les collections, quoi, ça pourrait aider. Oh non, mais non, mais à chaque fois, je suis prêt à m'esclaffer, mais non, je l'ai déjà, la Capo Verde. En plus, c'était la dernière fois donc, que j'ai obtenu la Capo Verde. Ah mince, putain. De toute façon, GPMG, il n'y a même plus besoin de réfléchir. C'est simple, j'ai toutes les variantes de GPMG, donc forcément, si j'en ai une, elle est doublon. C'est clair, c'est net, c'est précis. Hein. Ah, putain, dommage. Oh, épique, épique de la distance. Bah, c'est pas un emblème épique, ça. Et je tiens quand même à préciser ça à nouveau. J'ai encore zéro variante de la résistance. Ça ne change toujours pas avec ce ritement. J'ai toujours zéro variante de la résistance. En termes d'armes en tout cas. Zéro. Les seules variantes. Oh, encore un épique. Non, toujours pas malheureusement. Les seules variantes que je possède pour la résistance, c'est celles qu'on a via les collections. Mais sinon, j'en ai pas. Et ça, c'est quand même chaud. Encore un épique. Putain, ça s'enchaîne. Yes! Oh oui, un fil numéro 2 en plus. Yes! Ah, ça c'est cool, putain. Comme ça, ça m'évitera peut-être de le débloquer via les collections si je vois une collection plus intéressante. Ah, ça fait plaisir. Yes, un fil numéro 2, c'est débloqué. C'est cool, ça. Bah voilà, c'est bon, je l'ai enfin ma première va. Oh là là. Oh mais non, c'est la SVT, mais non. Ah, la poisse, là, putain. J'allais dire back to back, mais même pas. Mais non, on me renonnait pas la SVT, quoi, ça se fait pas. Ah ouais, ça pue, t'as raison. Enfin, bref, il sait en plus que je l'ai déjà, la SVT, donc... il sait, quoi. Hein. Putain, là, on a enchaîné, il y avait tellement d'épiques, là, en truc de résistance, j'ai pas compris, hein. Bon, on est quand même sur un petit Enfield numéro 2, c'est bien. Première variante, enfin, au niveau des armes de résistance, il était temps. Il était temps, mais j'ai pas mon chemin. Il faut continuer, justement, la bonne dynamique. Foutu, non, c'est pas foutu. Pas dire ça, attention. Finalement, je crois pas qu'on passera niveau 14 là de grade social. Hein. Vu comment c'est parti. Oh, le petit emblème hippopotame. J'espère que moi aussi j'aurai plein les yeux à la fin de l'opening. Hein, quand je verrai mes variantes comme ça. Oh, c'est magnifique. J'espère que je serai dans cet état. Hein, ce serait quand même mieux. Hein, ce serait préférable. Attention, épique. Oh, oh. Attends, elle m'a l'air vachement stylée cette tenue parachutiste Valkyrie. Ça doit faire pas. J'ai pas regardé honnêtement s'ils ont fait des nouvelles tenues avec la sortie des revolvers, mais ça doit être le cas parce que cette tenue je l'ai jamais vue. Elle doit faire partie des nouvelles tenues s'il y en a en tout cas. Mais elle a l'air ma foi très stylée. On verra ça de toute façon hein, à la fin de la vidéo. Pour l'instant, continuons à ouvrir tous ces ravitaillements, n'est-ce pas? Bon. Mais du coup, sur. Je sais plus sur combien de variantes on est, mais. C'est pas excellent encore hein, pour l'instant. Ça va. Yes! Oh! C'est une nouvelle variante ça! La Kutuzov. La Kutuzov. Ça me dit rien du tout. Je l'ai jamais vu cette variante de la carabine. Bah cool. Mais elle est magnifique comme ça. Mais c'est une épique donc elle sera forcément abîmée par contre. Hein. Mais elle est stylée ma foi. Après, faut voir ce que ça donne encore. Hein. Faut voir ce que ça donne. Le petit mouvement, non, on l'est déjà. Attends, c'est quoi cet emblème? Ça fait bébé le truc là. Reconnaissance, ça va pas. Tellement enfant. Oh, double épique. Putain, j'y ai cru à la variante de résistance. J'y ai cru. Hein. Pas énormément de trucs épiques en résistance, donc tu dis souvent... ouais, peut-être. Oh, la tablette de chocolat. Stylé. Je suis confiant, là. Je vous dis, je suis confiant dans ma tête. Je me dis que il peut y avoir du lourd encore qui peut sortir. Soit en héroïque ou en épique. Imaginez, si on voit un héroïque de résistance, là, ça pourrait jaser, hein. Là, ça pourrait péter niveau réaction. Puis après, ça pourrait descendre également d'un coup quand tu verrais que c'est de la merde, comme une crosse. Mais j'espère que j'aurai l'opportunité de voir un petit truc rouge comme ça, héroïque. Ce serait fort en émotion. Fort en chocolat, fort en émotion. Petit truc légendaire. Une crosse, toujours une crosse. Hein. Oh, on petit pack pas, grand ref là un peu. Oh, la petite abeille. Ma foi, stylée aussi. Non, pas de pouce en bas, tu n'as pas le droit. C'est pas fini. Faut pas lire son dernier mot comme ça. Hein. 48 000 crédits d'armurerie. Un petit épique, une variante peut-être très... Bah non, c'est une crosse que je n'avais pas. Hein. Je n'ai pas encore tout débloqué. Oh, un nouveau casque. Casque de Krajowa. Alors lui, ça doit faire partie des nouveaux casques. Parce que j'ai pas le souvenir de l'avoir déjà vu. Moi je veux le chapeau là, le Fedora si ça s'appelle bien comme ça. C'est ce
ce chapeau, moi, que je veux. Le nom héroïque, on n'est pas près de l'obtenir, je crois. Hein. Si j'ai déjà galéré pour le béret, c'est pas gagné. Ok, bon, full emblème, là. Encore pouce en bas, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ça, on l'a déjà, effectivement. Nope. Hey. Y'a que du pouce en bas, c'est full négatif là. Hein. Oh! What? C'est quoi cette pelle? Elle sort d'où? Mec, mais c'est quoi cette pelle? J'ai jamais vu, c'est quoi cette pelle? Banjo militaire avec un truc rouge comme ça. What? Mais elle est trop bizarre là, je sais pas comment elle est designée. Putain, on ira voir ça. Wouah, c'est quoi cette pelle, mec? On a déjà une pelle héroïque, mais. Putain, elle m'intrigue celle-là. Hein. What the fuck? C'est quoi cette pelle quoi? Putain, elle m'a l'air trop bizarre. Oh putain! Oh putain! Oh putain! Oh putain! En plus, on a un T-Rex. Non, je l'ai déjà. Par contre, le T-Rex est ultra stylé. Oh, l'emblème T-Rex. Enfin, Rex plutôt. Mais bon, c'est un T-Rex. Hein. Il est ultra stylé. Ah putain, je suis déçu par contre. Encore une tenue héroïque et doublon en plus cette fois. C'est double sentence. Ah, un héroïque d'hiver. Peut-être une variante? Non. Suba. On dirait la tenue que j'ai eue en. En héroïque qu'on avait eu. Ouais, je crois. Ouais, elle ressemble en tout cas. Arrêtez de donner des bastos par contre. Ils se donnent tous des bastos, mec, c'est trop la guerre. Regardez, ils vont se battre en arrière-plan là, ils se donnent des bastos. Vous êtes des fous, vous êtes des fous. Ça me fait de l'animation pendant que je regarde mes raids tellement, c'est cool. Un épique. Ah bah. Un opening de World War 2 ne serait pas un opening sans sa variante du bazooka ou du Panzer Shrek, bien entendu. Il se doit que ça doit sortir. Même quand c'est doublon, hein. D'ailleurs, même quand c'est doublon. Ah non, je l'ai déjà. Je l'ai déjà. Putain, ça fait pas mal de variantes doublons, là, déjà. Hein. Waouh. Je pense qu'on a eu peut-être plus de variantes doublons que de nouvelles variantes. Oh, peut-être pas non plus. Peut-être pas abusé, mais on en est pas loin. Hein. La frontière est mince. 51 000 cris d'armurerie, mais c'est n'importe quoi, par contre. Waouh, 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 waouh. Mais c'est peut-être un abonné, là. Je vois pas son pseudo, donc je sais pas, mais... C'est peut-être un abonné, là. Ah bah non, c'est pas un abonné. J'ai vu son pseudo, non. C'était pas un abonné. Putain, on arrive déjà bientôt à la fin, hein. Ça passe vite. Il n'y a pas eu d'héroïque de la résistance encore. Ce serait chaud quand même que pendant 5 semaines, en 5 semaines avec tous les raitaillements que j'ai ouverts, là j'en ai ouvert au moins 400 des raitaillements de la résistance, enfin de la résistance, des raitaillements en général, j'ai pas obtenu un seul héroïque de la résistance, ça aurait été chaud quand même. Hein. J'espère que ça va sortir là. Hein. Pas première variante, donc donnez-moi maintenant le premier héroïque de la résistance s'il vous plaît. Moi on sera sûr que ce sera pas un doublon, ça déjà tu vois ce sera positif. Après, il doit pas y en avoir tellement. Bah si, déjà on a un héroïque pour chaque variante d'armes. Déjà c'est ouais. Après on a des tenues, on a des crosses, on a peut-être même des emblèmes. Quoique c'est chaud quand même. Donc si, quand même il y a pas mal d'héroïques de restants. Donc... Ah bah voilà, yes c'est bon. Allez, allez, allez. Oh non mais chèvre, 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 chèvre. Non mais c'est consternant. Je pensais même pas. Putain mais je pensais même pas que c'était vrai quoi, c'était possible. Un emblème héroïque, en plus c'est une chèvre. Non mais mec, le Rex qui était légendaire était tellement plus stylé que cette vieille chèvre. Oh putain de mec, qu'est-ce que c'est que ça mec. Bah c'est bon, je l'ai eu hein, mon héroïque de la résistance, mais putain, un emblème quoi. Hein. Quasiment j'aurais préféré avoir peut-être une crosse de pistolet. Oh, back to back. Héroïque. Non mais, un casque. Putain, on aurait pu obtenir le chapeau ultra stylé. On obtient un vieux casque, je sais même pas ce qu'il fout dans les héroïques. Oh putain, le back-to-back héroïque résistance et le back-to-back douille. Oh, ah j'y crois pas, putain, mais qu'est-ce qu'il a de héroïque ce casque? Mais il a rien d'héroïque ce casque. Oh, oh je suis choqué, comment c'est possible ça? Oh, emblème et casque, mais c'est quoi ce combo mortel? Alors je crois que c'est assassin de mon arrêt de mort là. Oh, encore un héroïque. Yes. Oh la petite, yes. Piano du diable, elle est ultra stylée cette MG42. Oh putain que ça fait plaisir, surtout petite anecdote. Demain, je tourne la vidéo Objectif Chrome épisode 4 avec les batteuses. Ça me permettra du coup de voir le camouflage diamant sur cette magnifique variante. Mmh, ça, c'est bon, ça. Putain, on a enchaîné quand même 3 héroïques en 4 colis, là, je crois. Hein. Waouh, putain. Yes. Oh, super, on a un bandana maintenant. Pourquoi pas, pourquoi pas. Je suis quand même dégoûté pour l'histoire du chapeau parce que... Oh, encore un héroïque. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, putain, c'est une tenue, dommage. On aurait enchaîné encore une autre variante. Putain, mais c'est quoi tous ces héroïques là, qu'est-ce qui se passe? What the fuck? Putain, on est enchaîné 4 héroïques en 5 colis, je crois. 5-6 colis. Waouh, 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 waouh. Wow. Bon, c'était pas les meilleurs héroïques, il y en avait qu'un seul qui tenait la route, mais quand même. Allez, peut-être une variante là. Yes! Ouh! Yes! Variante sur le piolet, ça fait plaisir. Je ne l'avais pas, je ne l'avais pas. En plus, elle a l'air
Vachement stylé, surtout qu'elle est que épique, elle est très stylée pour une épique, hein. Ça fait plaisir. Allez, peut-être que là, il sort tout pour la fin de l'opening, hein. Surtout qu'après, on a encore les pots de vin qui peuvent quand même bien nous aider, je pense, à avoir des très bons trucs. Enfin, j'espère. J'espère, j'espère. Par contre, les pots de vin, je sais pas si je les ouvre après avoir débloqué les collections ou après, parce que c'est des trucs non doublons. Ah, ou après, telle la question. Au cochon de guerre, je ne l'avais pas. Est-ce qu'on pouvait demander un dernier héroïque, ce serait bien. Bon, il y a quelqu'un qui me spam d'invitation de partie, je sais même pas si je l'en ai mis. Red Joker, là. Pourquoi tu me spam? Ou alors c'est un mec qui m'a vu, qui a vu que je voulais plein de colis, il s'est dit... Et voilà, il tend une partie vocale, lui. Hein. Allez, allez. J'aimerais tant avoir un dernier héroïque pour flamboyer mes yeux. Si possible. On aura masse nouvelle tenue aussi, j'ai l'impression. Hein. Oh, le petit épique. Bah non, et bah non, et bah non. T'as quand même des cartes vite là stylées, hein, qui sortent bien du lot. Yes! Carabine M1, hein. Putain, cette arme, je l'adore, vous savez. Variante héroïque. Surtout que vous savez également, je viens de débloquer le camouflage diamant. Enfin, ça fait maintenant quelques jours déjà, mais ouais. Putain, on enchaîne les héroïques, ça c'est bon ça. Oh putain. Non, la carte de visite maintenant. Mais non. Mais non, genre, mais il y a les emblèmes et en plus il y a des cartes de visite héroïques. Ah, la douille. Putain, la douille. Ouais. Mais on fait des back-to-back héroïques, je sais pas ce qui se passe. Hein. Putain, j'ai quand même des remords là, je sais pas, j'ai des restes là. Quand tu vois que t'as des trucs comme ça en héroïque de la résistance, putain, t'es dégoûté, tu sais qu'il y a des variantes et tout. Et non, putain, ils arrivent à te douiller. Dommage, j'aurais pu espérer une variante également. Putain, y en a des variantes héroïques pour ton d'armes, hein. Y en a, hein. Oh, stylé l'œil, stylé. Un emblème. Oh, double épique. Je ne l'ai pas, ok, je l'ai déjà en héroïque, le Old Pistol. Mais bon, je l'avais pas épique, donc ça fait une variante encore supplémentaire. Donc c'est bien, c'est bien, c'est bien. Putain, moi je la veux, ma variante héroïque là sur l'une des armes de la résistance, je la veux, je la veux. Putain, surtout qu'on est que sur une seule variante quoi, sur le Enfield. C'est la seule arme où j'ai une variante quoi, des colis. Venant des colis, c'est triste hein. Avec tous ces colis ouverts, c'est très peu. Et là, je crois qu'il faudra compter sur les pots de vin pour le reste. 55 000 crédits d'armure. Wow. Calmez-vous, calmez-vous. C'est beaucoup trop. Ok, bon. Bah, du coup, il nous reste le item épique, le truc de la tenue de la résistance. Ainsi que, du coup, bah, les pots de vin, bien entendu. Allez, item épique, on est sûr d'avoir un épique non doublon, je crois. Faut que ce soit une variante, du coup, hein, forcément. Yes! SVT 40, bon, je m'en fous un peu, j'ai la variante héroïque, mais c'est cool, je ne l'avais pas, et c'est une variante. Surtout qu'on aurait pu choper des emblèmes, des cardis même. Je pense que, de toute façon, je pouvais pas avoir mieux, là, en l'état des lieux. Donc ça, c'est cool. La tenue, bon, ça, on s'en fout un peu, hein, une tenue, du coup, épique de résistance. Bon, c'est pas ça qui va faire bonjour, mais allez, hein, donne. Donne ce que t'as à donner, hein. Oh! Non, mec! Je crois que c'est une tenue pour... Mais oui! C'est une tenue pour les nazis, on va dire. Hein. Oui, c'est ça, pour les nazis. Donc c'est trop cool. C'est trop cool. Et c'est pour la résistance en plus, yes. Ah, nice. Et est-ce que j'ouvre du coup directement mes pots de vin? Allez. On ouvre les pots de vin direct. Les trois derniers colis de cet opening. Et ensuite, on aura terminé. On ira voir les collections. Il y aura sûrement d'autres trucs à débloquer. Mais là, c'est l'ultime. Ultime chance, attention, un épique. Une variante. Putain, dommage, mouvement. Position de combat, je sais pas ce que c'est, on verra. Allez. Oh putain, les cils à lune par contre. Oh non, on a le béret, on a le truc de cuisinier. Je m'étais moqué quand Grandref l'avait eu, bah c'était à mon tour de l'avoir. Et dernier pot de vin qui ne changera pas grand chose, malheureusement. Oh, stylé quand même, costumé frère. Bon, c'est une crosse, donc on s'en fout. Bon bah voilà, c'était mon dernier colis. On va voir maintenant ce qu'il y a quand même à débloquer à côté de tout ça. Je pense pas que j'ai réussi à compléter des collections de la résistance. Les marchandises dont vous avez besoin pour vaincre l'occupation ennemie. C'est jamais une petite surprise comme ça. On va voir ça ensemble. Alors déjà, on va regarder les collections de base, s'il y a des nouvelles choses qui ont été débloquées. J'espère au moins avoir débloqué une nouvelle collection, ce serait quand même pas mal. Alors pour l'instant, non, ce n'est pas le cas. Non, non, non,
Non. Allez, au moins une collection, s'il vous plaît. Une collection, ce serait quand même vachement cool. C'est pas trop demandé. Je crois que c'est trop demandé pour l'instant, hein. Non. Putain, j'y ai cru, la carabine, hein. Donc ça, non, je l'avais déjà débloqué. Ta 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 ta. Non, toujours pas. Non plus. Et non, pas de nouvelle collection, malheureusement, pour l'opération Overlord. Bon, du coup, là, ça, c'est le siège d'hiver, faire le siège d'hiver, on s'en fout. La résistance, alors, quoi de neuf, la résistance? Bon, ça n'a pas changé pour le couteau de combat. Ça, c'est pour la tenue, bon, ça, honnêtement, je le débloquerai pas, alors, je pense que c'est mort, de toute façon. Ok. Donc, ça, ouais. Bon, il se trouve trop cher, donc ça, également, on laissera de côté. Le Enfield, j'ai débloqué un seul truc, c'est tout. Oh putain, c'est douilleux. Bon, on l'a du coup le Enfield, donc c'est pas le plus grave. Ah, on a débloqué quand même quelques trucs pour. Ah oui, mais non, ça c'est une tenue. Je croyais que c'était le Reich Revolver. Par contre, Reich Revolver, j'ai vu 5 sur 8. Donc là, par contre, oui, on a débloqué des trucs. Ah, 5 sur 8. Bon, il reste quand même des gros trucs, mais on en a débloqué certains. C'est pas dégueulasse. Et SAP 9. Oh, SAP 9 mm, merci. Ah, ça c'est super. On a débloqué. Qu'est-ce qui serait le plus astucieux de débloquer? Bah, le plus astucieux, forcément, on va. Putain, ce qui est triste, c'est que je pourrais pas obtenir toutes les variantes. Ça, c'est vachement triste. Le truc que je regrette, c'est qu'ils ont ajouté beaucoup trop tard les deux revolvers, là. Beaucoup trop tard. Même pas 2 semaines avant la fin de l'événement, c'était beaucoup trop tard. Et du coup, ouais. Je pourrais pas obtenir, va falloir faire un choix. Bon, couteau, je pense qu'on va le laisser de côté déjà. J'ai 55 000 crédits. Bon, déjà, bon, un truc, oui, qui est sûr, c'est le Reich Revolver. Lui, je suis obligé, de toute façon, de le débloquer. Il n'y a pas photo. Maintenant que c'est entre vos mains, oh, c'est quoi ce bon truc? C'est trop drôle, what the fuck. Encore Ok, un peu putain, regardez, on plus, est déjà à vous pourriez 39 000. être un commando. Pff, ça descend tellement vite. Bon, voilà, c'est bon, on a toutes les armes de World War 2 à nouveau. C'était pas très très long, de On toute voit façon. pas ça tous les Donc jours. ça, c'est bon. Vous n'êtes Alors, pas trop maintenant, mal, on a 3 je armes. suppose. Je sais pas combien d'armes sur les 3 je peux obtenir, mais il va falloir faire un choix. Faire un choix. Bon, couteau de combat, c'est pas le truc le plus astucieux. Ça change un couteau, honnêtement. Bon, je m'en fous un peu. Je m'en fous un peu. Là, du coup, je fais un calcul rapide. Ça ferait, bon, 10 000. Ça ferait 14 000. 15 000. Allez, on va dire 16 000. Un peu plus de 16 000. Pour débloquer le SAP 9 mm. Ça ferait plus de 16 000. Ok. Le Enfield, ça ferait combien le Enfield? Ça ferait. Allez, on va arrondir. Ça ferait 13 000. 15 000. 15 000, bon, du coup, on va dire 16 500. 18 000. 19 000. Ça ferait 19 000. Du coup, ça passe. Ouais, ça passe, du coup, c'est bon. On va faire ça, SAP 9 mm. Plus Enfield. Ça Maintenant me que c'est paraît être entre vos mains, le plus logique faites-en dans une l'absolu, étape hein. à la fois. Je Maintenant que c'est pense, entre hein. vos mains, Bon, faites-en bon usage à la fois. couteau de combat, Faites un ce bon sera la usage sur le première couteau. variante La événementielle résistance a besoin de que vous. je n'aurai pas. Parce que du coup, j'avais réussi à obtenir toutes les variantes de l'événement Winter Siege, mais Les il y en Allemands avait sauront beaucoup pas ce moins qui aussi les en même frappe. temps. Mais là, ouais, du coup, il y a une qui passera un peu à la trappe, c'est malheureux. Avec ça, De toute tout façon, ira là, bien. c'est pas en un jour que Faites-en j'arriverai à bon débloquer usage assez de sur le crédits front. d'armurerie pour Faites-en bon débloquer usage sur le front. les trucs Car du la couteau, hein. résistance a besoin de C'est vous. pas trop trop Montrerai encore possible. un peu plus et vous pourriez Une être un hop, commando à hop, peu près d'ici hop. là. Et comme ça, on a le nouvelle variante. Le Enfield, on l'avait déjà, donc c'est une nouvelle variante pour le Enfield. Voilà, double Les variante. Allemands sauront pas ce qui Parce les que couteau frappe. de combat, du coup, voilà, il me. Ouais. 12 000, hein. Je crois que les 12 000 crédits d'armurerie, c'est impossible de les obtenir. À moins que j'obtienne ces trucs-là entre-temps, mais même ça, je pense que c'est impossible. Bon, voilà. Du coup, on va pouvoir maintenant voir ensemble le nombre de variantes débloquées. Il y a peut-être moyen de battre le record des 15, je crois, un truc comme ça, que j'avais réussi à débloquer dans un précédent opening. On l'a dépassé les 15, quoique je pense pas qu'on a eu quand même 15 variantes. Alors, voyons voir ce qu'on a obtenu. Alors là, rien de neuf, du coup. J'en ai toujours 64 sur 65. Ça n'a pas changé? Non, toujours 64 sur 65. Ouh, putain, par contre, on a eu la masse sur résistance. Oh, elle est trop stylée! Elle est trop stylée! Mec, je fais un combo avec Grand Ref avec ça. Attends, je vais la mettre direct. Grand Ref, t'es où Grand Ref? Grand Ref, tape-moi Grand Ref. Grand Ref, s'il te plaît, donne-moi une castagne, là, ce serait trop stylé. C'est tellement stylé, mec. C'est tellement stylé. Ah, c'est trop stylé, j'adore. Oh putain, elle est trop stylée ce truc. Waouh, il en faut peu pour m'amuser. Hein. Elle est trop stylée cette émote. On a quoi d'autre? Attends, du coup, on n'a pas fait le tour parce que la première m'a arrêté.
Ça fait trop italien, ça. Position de combat. Oh, être aussi, ça fait kung fu, mec. C'est trop... Oh, ils sont trop stylés, les trucs de la résistance. Putain, je suis fan. Oh, c'est trop cool. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, du coup? Parce qu'il y en a sûrement d'autres qui sont hyper stylés, aussi. Ouais, on a celle-là, je la connaissais déjà. Ouais, on a celle-là aussi, ok. La petite révérence, génuflexion. Ouais, ok. Cool. Oh, il en reste quand même pas mal, hein. On les débloquera peut-être ultérieurement. Emblème. Bon, emblème, on va checker quand même rapidement. Donc, si je dis vert... On a eu ça. Siège d'hiver. Ouais, et résistance. De résistance, il doit y avoir pas mal. Ok, on a l'œil. On a le cochon. On a ça. Ouais, on en a plein ici. Hop. Le T-Rex, c'est tellement stylé, mon gars. Je crois que c'est le plus stylé. Carte de visite, du coup, il doit y en avoir masse aussi. Bon, on va passer comme ça rapidement. Eh, j'ai pas remarqué avoir eu des cartes de visite avec les contours dorés, tiens. Non, j'ai pas remarqué. Non, je crois que j'en ai pas trop eu. J'en ai peut-être eu quelques-unes, mais pas trop. C'est positif, hein. On va dire que c'est positif. Ça va. Ça veut dire que je me suis pas trop fait douiller non plus, hein. Alors, on va voir si on a réussi à obtenir à peu près tout. Non, on n'a pas réussi encore à obtenir tous les cartes dites de résistance, mais on n'en est pas loin. Il y en a une ici. Et bah, il y en a deux aussi, ok. Il y a quand même beaucoup. Vous voyez, il y a quand même beaucoup plus de choses, hein, dans cette énorme de résistance. Bon, il reste quelques cartes dites, mais pas trop. Les débloquera peut-être après, hein, qui sait. Et ah, il en reste encore. Pareil, que j'ai pas... Ça me stresse quand il y a le truc nouveau, donc c'est pour ça que je check. Bon, c'est encore buggé. Ah, les casques, oh, putain, bah là, je vais pouvoir montrer le casque que je convoitais, mais du coup, je me suis fait douiller. Bon, on a eu ça. Super. On a eu ça. Ça fait cuistot. Non, merci. Putain, ça, c'est héroïque. Non, mais sérieux. Non, mais sérieusement. D'où c'est héroïque. Ça, c'est celui que je voulais obtenir. Il est trop stylé. Voilà, c'est ça, le Fedora de la résistance, putain. En plus avec la carte française comme ça, putain. On a que deux, oui, on a que deux héroïques. J'avais une chance sur deux. Ils m'ont donné le casque dégueulasse alors que là, putain, t'avais le Fedora tellement classe. On a eu ça aussi et on a eu le bandana, putain, c'est une horrible bandana, c'est tellement moche. Donc voilà. Ah, ensuite, maintenant, on va passer quand même aux petites tenues. Surtout que là, j'avais tilté sur quelques tenues, donc on va voir à quoi ça ressemble ces tenues justement. Alors, on a celle-là. Ok. Ah bah elle est... Ok, donc ça c'était une héroïque en plus. Bah bof. Ah bah celle-là elle est pas moche tu vois. Hein, en rouge comme ça je trouve plutôt stylé, ouais. Ça va, elle est pas dégueulasse. Donc là... Eh oui, du coup c'était la même. Donc j'avais obtenu l'héroïque et les piques. Ouais, elle est pas moche mais bon... putain c'est héroïque, ça te fait chier quand même. Hein. Ça te fait encore bien chier. Hein. État soviétique clandestin. Ok, bon c'est moche. Merci, au revoir. On a obtenu un nouveau truc de l'Axe. Non, je l'avais déjà. L'infanterie Valkyrie, je l'avais déjà. Donc ça, c'est pas nouveau. Après, du coup, aéroporté. Quoi de neuf pour aéroporté? Oui, du coup, je me suis fail. Rien de nouveau? Ah, du coup, on en a... Bah, attends, c'est bugué. Ah, c'était... Ah, ok, c'était une tenue... Oh, bah, on va la mettre, oui. C'était une tenue pour l'Axe. Ah, très bien, très bien, très bien. J'avais pas compris ça dans ce sens. Et du coup, c'est tout pour aéroporter. Ouais, c'est tout. On n'a rien eu d'autre. Ah, bah, c'est pour ça qu'elle m'avait tilté cette tenue. C'était parce que c'est un truc de l'Axe. Effectivement, du coup, c'est normal que je l'avais pas vraiment vu. Oh, ça va, elle est plutôt stylée, cette tenue. Là, on a une nouvelle rat du désert. Ça va aussi, plutôt stylée, blindé arctique. Et en tenue d'Axe, non, on n'a pas eu le tankiste. Qui est. Oh, bah, non, il est plus stylé, celui de base, en fait, hein. Par défaut, il est plus stylé. Ok, donc ça, c'était pour blinder. Ensuite, montagne. Montagne, est-ce qu'on a eu du nouveau? Oui, on a eu du nouveau. Ouais, non, dégueulasse. Ouais, non, dégueulasse. Est-ce que Axe, on a eu une nouvelle tenue? Non, on n'a pas eu de nouvelle tenue pour l'Axe. Attends, du coup, ouais, celle-là, je suis mal passé dessus. Voilà. Ok, donc ça, c'était pour montagne, pas grand-chose. Expéditionnaire, je crois pas non plus qu'on a eu grand-chose. Ouais, bon, les casquettes bleues. Ouais, bon, pourquoi pas, mais non. Et là... N'a pas eu non plus plus de choses. Et on termine avec résistance. J'espère quand même que j'ai obtenu pas mal de tenues. Parce que pour l'instant, je n'ai pas beaucoup. Et ça a l'air d'être le... Ah bah non, là, j'en ai eu qu'une. Qui est... Ah, mais les... Oh, avec les lunettes et tout. Elle est trop stylée, celle-là. Oh, je la mets direct. Ah ouais, elle est trop stylée. Avec les lunettes. Ah, ça fait un style, mec. Ah ouais, j'aime bien. J'aime bien. J'approuve. J'approuve l'effet lunettes.
Là, on a eu Gap. Donc ça, c'était dans les collections qu'on avait débloquées. Et là aussi, du coup, résistance italienne, ok. Et normalement, on a eu celle de l'Axe. Voilà, officier. Ah, elle est plus stylée comme ça en bleu en plus. Enfin, je trouve en tout cas. Donc ça, c'est cool. On a toujours le cache-œil en plus de pirate. C'est excellent. Voilà, donc ça, c'était pour les tenues. Et on termine par le plus intéressant. Les variantes, bien entendu. Les variantes. Alors, on va essayer de compter le nombre de variantes qui ont été obtenues. On commence, première variante. Ah, on commence en plus avec une variante héroïque, c'est la profanateur. Est-ce que c'est la variante héroïque la plus stylée pour la carabine? Je suis pas sûr. Bah si, je crois que c'est la plus stylée, la juge. Oh yes! Putain, j'ai eu la plus stylée en plus. Oh là là, jackpot, jackpot. C'est la variante la plus stylée héroïque. Oh, oh là 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 là. Oh, elle est magnifique. Oh, elle est magnifique. Oh, elle est magnifique. Oh oui. Oh, je dis oui. Oh oui. Yes. Ah, ça fait plaisir pour la carabine des mains. Bon, après la barre, bon, on la connaît, ça. Ah bah, j'ai toutes les variantes de la barre. Vu que c'est... elle est crasseuse, celle-là. Ah, elle est crasseuse. C'est pas possible, ça, par contre. Hein. Là, je dis non. On n'avait pas fait l'inspection, tiens, pour la carabine, attendez. On va revoir ça. Enfin, je crois que j'ai pas fait, du coup, on va rechecker. Oh, oh, elle est trop stylée. Ok, donc là, ça fait deux variantes. On essaie de retenir. SVT, on a eu la variante à vous. C'est peut-être une nouvelle variante, ça, d'ailleurs, non? Je sais pas. Qui est moche, hein, ma foi, mais bon, on fait avec les moyens du bord, hein, que voulez-vous. Oh, par contre, son viseur, il est... Oh, son viseur est trop bien, par contre. Oh, mince. Ah, je suis dégoûté, son viseur est trop bien. C'est une mini-variante, en plus. Oh, c'est dommage, putain, elle est trop bien, le viseur. J'aurais aimé avoir ce viseur sur la variante héroïque. Bon, on est à trois variantes. Après, ah, on a une nouvelle variante sur la grisienne. Ah, bah, ah, bah c'est la Roxy 2. Ah oui, c'est là. Alors ça, je vais expliquer rapidement une anecdote sur cette variante. En soi, c'est une nouvelle variante, donc à porter en même temps que les revolvers. Mais de base, la Roxy 2, c'était une variante héroïque qui était ultra. Mais avec la mise à jour, en ayant rajouté les revolvers, la Roxy 2, ils l'ont changé pour la reskinner comme ça en mode résistance. Ils l'ont mis du coup en épique. Mais à la base, c'était une variante héroïque, ça. Donc je suis quand même dégoûté intérieurement, parce que je me dis qu'avant, c'était une variante héroïque, et maintenant, c'est une épique. Même si, bon, ceux qui l'avaient obtenu quand elle était héroïque, ils l'ont quand même fait dégrader en épique. Donc eux aussi, ils se sont fait douiller, donc, au final. Hein. Mais ça fait chier, quoi, parce que celle-là, ouais, elle était quand même héroïque avant. Bon, après, ça va, elle est pas moche, mais je trouve avec un camo, je suis curieux de voir ce que ça peut donner avec un camo, tiens. Qu'est-ce que ça donne avec un peu de camo? Ah non, elle est quand même vachement stylée, le camo rend bien dessus, mais oui, bah elle était quand même héroïque à la base, donc c'est quand même un peu de la douille. Hein. Bon, du coup, c'est la quatrième variante. Fusil mitrailleur. Ah, on a l'héroïque sur la MG42, la piano du Diable 2, qui en plus, oui, là, ouais, c'est ça, c'est l'héroïque la plus stylée, encore une fois, donc comme pour la carabine. C'est excellent. Bon, par contre, du coup, j'ai pas encore le camouflage diamant, mais... Oh là là, putain, il est trop stylé, mec. Oh là 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 là. Oh, c'est un chef-d'œuvre, mon cher. Elle a le même viseur, ok, ça change pas. Oi, 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 oi. Tellement stylé, cet MG42. Bah, dès demain, je le rends diamant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. On est, du coup, à 5 variantes. Si je dis pas de conneries, si j'ai rien oublié. Alors, on a la Kutuzov qui n'existe pas en héroïque. En plus, on dirait bien non. Ça, c'est peut-être une nouvelle variante qui a été ajoutée également en même temps que, par exemple, la Roxy 2. Enfin, la Roxy 2 reskinée, en tout cas. Donc, on va voir ça. Bon, on va voir ça en diamant, carrément, parce que nous, on est des fous. Putain, il est pas moche, mais en héroïque, putain, qu'est-ce que ça... Oh, alors, en héroïque, elle serait magnifique. Parce que là, ouais. Là, c'est bof, du coup. Là, c'est bof. Sachant que j'ai les deux variantes héroïques, je m'embêterai pas à prendre la Kutuzov, mais ouais, quand même. Linfield, du coup, on a eu... Ah yes, on a une mini... Enfin, j'ai un mini Linfield. Il y en a deux, j'ai eu l'un des deux, parce qu'il y a la carousel qu'on débloque via les collections. Donc du coup, Linfield... Par contre, je suis perdu, là, du coup, en termes de variantes, désolé. J'ai déjà perdu le field, tant pis. La mini-variante du petit Linfield. Ah, elle a une inspection spéciale, en plus. Non, mais c'est cool, quand même, d'avoir une mini-variante comme ça. Et surtout, ouais bah surtout, j'ai pas encore de variante héroïque, donc c'est sûrement cette variante que je prendrai. Juste, curieux de voir qu'est-ce que ça donne le camouflage diamant dessus. Ça doit pas être très très beau, hein. Ça doit pas être un chef-d'œuvre. Effectivement, c'est loin d'être un chef-d'œuvre, il y a toutes les couleurs qui dépassent. Aïe aïe aïe, c'est un carnage. Alors ensuite, ah, donc c'est le fusil à canoncier, ok, c'est le fusil à canoncier où j'ai eu la variante héroïque. Bah, je dirais que c'est peut-être mieux comme ça, tu vois. Et encore une fois, comme pour la carabine et la MG42.
C'est la variante héroïque la plus stylée. Yes. Oh putain qu'elle va être magnifique celle-là. Oh, putain qu'elle est magnifique. Oh yo 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 yo. Oh yo 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 yo. Quel chef-d'œuvre encore une fois. Oh elle est magnifique. Yes, ça ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc c'est tout pour les variantes principales, les secondaires. Alors on a un peu de tout là quand même, hein. Pistolet automatique. Ah bah c'est bon, j'ai toutes les variantes du pistolet automatique justement, ça c'est fait. Bon on le connaît vu que je l'ai déjà en héroïque de toute façon, donc ça c'est pas nouveau. Ok, bon ça, rien de neuf à ce niveau là. Ensuite, SAF 9mm, donc carte blanche, voilà. Que j'ai pu obtenir, donc ça c'est cool. Via la collection. Oh, elle est stylée. Oh, en bleu comme ça. Ah ouais. Ah, elle a un certain style. J'aime bien. Ah, d'ailleurs, il faut que je fasse un truc. On va débloquer une autre variante du SAP 9mm. On va en profiter. En passant le Prestige 4 de division de la résistance. Tiens, on va faire d'une pierre deux coups là. C'est magnifique. Bonjour, monsieur. Il est temps de presser le Prestige 4. Voilà, dernier Prestige résistance. J'étais plutôt rapide, c'est vrai. Hein, quand même pour monter à division. Comme ça, on débloque la variante double effet. Double variante. Pour le petit 7-9mm. Faites vos preuves. Ça c'est fait. Comme ça, on a la petite variante double effet. On va pouvoir checker également ce que ça donne. Comme ça, on pourra ajouter une petite variante à la liste. Hein, des variantes obtenues. On dit pas non. Donc du coup, ça donne quoi? Sachant que, est-ce que... Oui, elle a une variante héroïque. Ah oui, c'est vrai. Putain, elle est magnifique, la variante héroïque du 7-9mm. Donc ajoutée en même temps que les revolvers, du coup. Pour l'instant, on ne l'a pas. Donc double effet, ça donne quoi? C'est une variante un peu rikiki, j'ai l'impression, tiens. Elle est stylée aussi, elle est stylée. Le canon un peu coupé, j'ai l'impression. Ouais, plutôt stylé. Plutôt stylé. Ça fait mini sap 9mm, j'aime bien. Le Enfield du coup. Alors là, on a double Enfield. Ah oui, avec du coup les trucs français dessus, c'est stylé. Du coup, est-ce que c'est une arme française? Enfield, moi, ça me fait plus penser à une arme anglaise, hein, clairement. Je pense d'ailleurs que c'est une arme anglaise, mais du coup, elle a des trucs français dessus, bizarrement. Elle est plutôt stylée. Après, du coup, on a la variante épique. Qui était... Oh oui, putain, elle a l'air hyper stylée en doré comme ça. Oh, yo, yo, yo. Oh, ouais, elle est trop stylée. Elle est trop stylée. Même pas besoin de débloquer le camo. Alors, je l'ai déjà. C'est magique. Ah, elle est stylée. Je vais enfin pouvoir jouer avec ces armes qui sont sorties quand même il y a 2 semaines. Il était temps. Il était temps. Ok. Donc ça, on va quand même faire la petite inspection. Attendez. Ah. La petite inspection, j'allais oublier. Stylé. Après, on a le Reich Revolver, main de fer. Une fouet. Voilà. Qui est, ma foi, également plutôt stylé avec des petites inscriptions de partout. Il y a un petit oui écrit dessus. Oui. Oui, 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 oui. Ok, donc ça c'était pour le Reich Revolver. Et après, ah oui, on a la pelle du coup. Ah oui, la pelle avec sa variante bizarre. Oh waouh, waouh, waouh. Qu'est-ce que. Il y a du sang sur la variante, tiens. Attends, on va débloquer du coup pour pouvoir voir ça. C'est une nouvelle variante ça ou quoi de la pelle? J'ai aucune idée, je pourrais pas vous dire, mais je crois que oui, c'est parce qu'elle me dit absolument rien cette variante. Ouais, elle est pas très très belle, hein. Elle est même très très. Putain, elle fait peur quoi, avec le sang dessus, c'est. Waouh! C'est pas la variante idéale, tu vois. C'est pas la variante idéale. Elle était plus belle sur l'image. Hein. Le piolet, du coup. Ah bah, le piolet, il manque plus du coup la variante héroïque, vu qu'on avait déjà celle d'hiver, bien entendu. Et maintenant, on a l'épique. La fracasseur. Qui est. Oh, ouais, stylé. Je crois que Grand Ref, là, en plus, celle-là. Si je me souviens bien, il l'avait obtenue, celle-là. Donc, ça, c'est plutôt stylé. On est content. Et du coup, est-ce que c'est tout? Je crois qu'on n'a pas obtenu de nouvelle variante pour le lanceur. Donc effectivement, je crois que c'est tout. C'est déjà bien, c'est déjà bien. Non, pour une fois, on n'a pas de nouvelle variante pour les lanceurs. Ouah, ça fait plaisir. Oh, je suis ému, dis donc. Oh là là, ça me change la vie. Je vais quand même essayer de compter avec vous, du coup, le nombre de variantes qu'on a obtenues. Alors, carabine M1-1, SVT bar, ça fait 3 variantes. 4 variantes avec la Grisigen. 5 avec la MG42, 6 et 7 avec le carabine et le Lee Enfield, 8 avec le fusil à canon scié, donc on est à 8, donc là du coup 9, 10 et 11, 12 et 13, 14,
Et du coup, 15 et 16, 16 variantes au total quand même qui ont été débloquées. Je crois que c'est un record, parce que si je me souviens bien, dans la vidéo où j'ai obtenu un max de variantes, j'en avais pas obtenu 16. Ou alors on n'était pas loin en tout cas des 16. Si on y était peut-être. Mais 16 variantes, ça fait plaisir. Même si bon, à côté on avait des armes, on était sûr de les obtenir avec les crédits d'armurerie et tout ça, vu qu'elles venaient de sortir et tout. Mais non, c'est quand même cool, c'est quand même cool. Du coup, qu'est-ce qu'on va prendre comme arme pour finir? Ah bah, on va prendre le Rage Rev... Non, le Rage Rover. Le NC numéro 2 dans les mains, voilà, comme ça. Ainsi que le superbe Domino. Domino 2 même. Waouh. Du coup, voilà, pour cette vidéo opening, plus de 160 colis. En tout cas, cette vidéo vous a plu, et bah, si ça a été le cas, n'hésitez pas à lâcher un max de likes, de commentaires et de partages. Ça me fera extrêmement plaisir. C'est la petite récompense. On se retrouve du coup prochainement pour de nouvelles vidéos, bah, sur World War 2 ou sur d'autres jeux, avec notamment la présentation des deux revolvers, le Reich Revolver et le Enfield numéro 2. Et du coup, bye tout le monde. Ouh yeah.